Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le jeudi 18 novembre 2021. Vous êtes bien sûr à l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Au sommaire, aujourd'hui, on se rend en Autriche avec Vianney Laurin. L'épidémie du Covid repart très fort là-bas. Le gouvernement a décidé de reconfiner les seuls non vaccinés. Et puis nous discuterons avec nos deux invités de la nouvelle polémique lancée par les anti-wokistes. Le Robert, le dictionnaire, a décidé de définir le pronom « yel ». Un député LROM s'en est offusqué. Le débat sur l'écriture inclusive et relancer à l'air libre. C'est parti. En Autriche, la situation sanitaire est alarmante et le pays a décidé de reconfiner sa population non vaccinée. Les chiffres des nouvelles contaminations s'envolent avec plus de 12 000 nouveaux cas par jour en moyenne pour un pays de moins de 9 millions d'habitants. Pourtant, le pass sanitaire est en vigueur depuis mai dernier. En cause, selon le gouvernement, 66% des Autrichiens seulement sont aujourd'hui reçus leurs deux doses contre 75% pour la France, par exemple. Ce confinement est donc censé encourager les réticents à se faire vacciner, mais de l'avis de nombreux experts, il ne suffira pas pour faire baisser les chiffres durablement. Vianney, tu es sur place depuis cette semaine, donc les non-vaccinés sont priés de rester chez eux. Oui, Christophe, depuis lundi, près de 2 millions de personnes ne peuvent désormais sortir de chez elles que pour faire des courses essentielles, pour s'aérer ou encore pour se rendre chez le médecin. Elles peuvent également aller travailler à condition d'être testées. Face à ce qui est parfois perçu comme une stigmatisation, difficile de trouver dans les rues de Vienne des personnes non vaccinées prêtes à parler devant une caméra. Et même chez les Viennois vaccinés, la mesure ne fait pas consensus. Ich halte es einfach für sehr gefährlich, weil die Spaltung zwischen Geimpften, zwischen Ungeimpften einfach dadurch viel, viel größer wird und es ein bisschen ablenkt davon, was wirklich die Gründe sind, dass die Zahlen so steigen. Und da glaube ich, dass das viel mit dem Management dieser ganzen Pandemie zu tun hat. The lockdown, I think, as I said, it is necessary, because, I mean, it gives some protection to the people. And as the one third that are not vaccinated in Austria now should get vaccinated in order to protect the vaccinated people, the two third. Weil das so schwer zu kontrollieren ist, wie sollte es vollzogen werden? Von der Exekutive ist das nicht möglich. Le ministre de l'Intérieur, Karl Nehammer, a pourtant promis des contrôles nombreux et fréquents, comme dans ce centre commercial où les policiers vérifient le pass sanitaire des personnes venues faire leur shopping. Die Polizei wird in naher Zukunft sehr, sehr viele Kontrollen durchführen. Es gibt hier Polizeistreifen, die extra dafür eingeteilt sind. Und auch bei jeder anderen Amtshandlung wird kontrolliert. Also es muss jeder damit rechnen, dass jederzeit kontrolliert werden kann und sollte die entsprechenden Dokumente mithaben. Wenn nicht die entsprechenden Dokumente mithat, kann es eine Strafe von bis zu 1.450 Euro geben. Une mesure qui porte déjà ses fruits selon le gouvernement. La semaine dernière, alors que plusieurs mesures restreignaient déjà les déplacements des non-vaccinés et que l'annonce d'un confinement pour ces derniers était connue, plus de 128 000 personnes ont reçu une première dose, un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis le mois de juillet. Malgré cela, de nombreux experts estiment que la mesure ne sera pas suffisante. C'est le cas de Norbert Nowotny, virologue. Diese Maßnahme ist eine mittel- bis langfristige Maßnahme, die wir in etwa 6 Wochen zu wirken beginnen, ist noch immer gut, aber sie wird nicht dazu beitragen oder kaum dazu beitragen, dass diese enorm hohen Fallzahlen, die wir derzeit haben, gebrochen werden können. Aus virologischer Sicht ist natürlich ein kurzer, kontrollierter, heftiger Lockdown, etwa 2 Wochen plus die 2 Wochenenden dazu, das wären 16 Tage, wäre natürlich die beste Lösung. De plus en plus de voix s'élèvent pour demander la mise en place d'un confinement général. Ce matin, 2 régions ont annoncé sa mise en place dès la semaine prochaine. On ne sait pas encore si cela pourrait être étendu à toute l'Autriche. Jusqu'à présent, le gouvernement s'y est opposé, mais il pourrait y être contraint si le nombre des infections continue d'augmenter. Merci Vianney. Je rappelle que tu es à Vienne, en Autriche. On te voit bientôt sur Mediapart. La suite. «
Tremblez, Françaises, Françaises, le wokisme est à nos portes, il est déjà là, dans nos facs, dans nos écoles, dans les médias et même dans notre dictionnaire. Pensez donc, le Robert en ligne vient d'ajouter IEL, I-E-L et ses divers dérivés dans ses définitions. Alors la définition précise du Robert, c'est que l'emploi est rare déjà et ça explique qu'il s'agit d'un pronom personnel, sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. Voilà pour la définition. Mais branle-bas de combat chez les anti-wokistes, François Jolivet, député LREM de l'Indre, s'en est aperçu et il a fait ce tweet, tout en nuance, je cite « Le petit Robert, dictionnaire que l'on pensait être une référence, vient d'intégrer sur son site les mots YEL, YEL, YEL et tous ses dérivés. Ces auteurs sont donc les militants d'une cause qui n'a rien de français, le wokisme. J'ai écrit à l'Académie française. » Alors forcément, ça valait une émission. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Luca Greco, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur en sociolinguistique à l'Université de Lorraine et vous êtes également animateur de l'association GSL, Genre, Sexualité et Langage. Et Eliane Viennot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeuse émérite de littérature de la Renaissance et vous avez fait paraître en septembre En finir avec l'homme, chronique d'une imposture aux éditions X. Et d'abord, une question pour vous, Eliane Viennot. Pourquoi professeuse et pas professeur? Parce que c'est comme ça qu'on disait pendant le 18e ou 19e siècle et que... Voilà, ça fait partie de ces mots tout à fait français, tout à fait bien formés, comme chanteuse ou danseuse, qui ont été critiqués, voire condamnés par, par les messieurs qui pensent que ce genre de profession est fait pour les hommes. Et donc, normalement, s'il n'y avait pas eu ces condamnations, parce qu'elles sont littérales, hein, dans le Becherel, on ne dit pas professeuse, on ne dit pas traductrice d'ailleurs, on ne dit pas compositrice. Donc toutes les choses un petit peu valorisantes pour les messieurs sont condamnées. Mais voilà, le français veut qu'on dise comme ça, comme il veut qu'on dise coiffeuse ou danseuse ou chanteuse. Donc, d'ici quelques temps, on dira professeuse. Alors, une question à tous les deux maintenant. Quand vous avez entendu parler de cette nouvelle polémique sur l'entrée de YEL dans le dictionnaire en ligne du Robert, je précise, pour l'instant, ce n'est pas dans l'édition, quelle a été votre première réaction? Qu'est-ce que vous êtes dit, Luca? Je me suis dit, encore une fois, une polémique sur rien, puisque le mot, en tant que sociolinguiste, moi j'ai mené des enquêtes de terrain dans des milieux francophones, LGBTQ, et j'avais déjà perçu l'existence de ce mot déjà en 2006. Donc je me suis dit que c'était une bonne nouvelle que le petit Robert puisse enfin rendre compte de cette nouvelle forme linguistique et qu'il rend compte à son tour de nouvelles formes de vie non binaires, et que ces polémiques... non seulement elles sont stériles, mais en fait, elles me font penser qu'il n'y a pas beaucoup d'amour pour la langue, puisque celles et ceux qui pensent qu'en fait, le pronom « YEL » c'est une menace pour la langue française, n'ont pas compris qu'une langue est vivante puisqu'elle évolue, puisqu'elle est changeante. Si elle restait réfigiée, si elle n'est pas du tout vivante, on aurait des langues mortes. Donc j'aurais envie de dire qu'il s'agit d'une véritable nécropolitique linguistique et qu'il faut que ça cesse. Et vous, Eliane Viennot? Ça m'a surprise aussi parce que je comprends qu'on discute de l'usage de ce pronom, d'ailleurs, et politiquement et linguistiquement, comment est-ce qu'on l'accorde, par exemple, des choses comme ça. Mais je ne comprends pas qu'on conteste à un dictionnaire le fait de faire son travail. C'est tout à fait normal qu'un dictionnaire... À partir du moment où ce mot circule pas mal, et ce qui m'amuse le plus, c'est que s'il est vraiment sorti dans le grand public depuis quelques années, c'est grâce à ou à cause des gens qui sont contre l'écriture inclusive et qui n'arrêtent pas de faire des articles dans les grands journaux pour dire à quel point c'est un péril mortel et qui, au passage, disent qu'il y a des nouveaux mots comme YEL. Donc c'est eux qui, c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé, quoi. Ouais. Donc ça, c'est grotesque. Pour moi, cette polémique-là, sur le Robert, elle est grotesque. En revanche, sur cet usage-là, c'est intéressant d'avoir ce débat. Oui, Lucas, vous voulez réagir? Oui, c'est assez surprenant, d'autant plus qu'en 2001, le grand Robert avait fait rentrer le mot « homoparentalité ». À l'époque, que je me souvienne, il n'y avait pas eu toute cette polémique-là. Et aujourd'hui, cette arme est totalement banalisée. Tout le monde l'utilise c'était utilisé déjà depuis longtemps dans les sciences sociales et les milieux homoparentaux, et maintenant personne ne s'étend plus. Et chaque année, le petit Robert fait rentrer des nouveaux mots. C'était le cas pour le mot transidentité, pour le verbe essentialiser. Donc
ça fait partie du travail de chaque lexicographe. Alors, je précise d'ailleurs qu'on a cherché le terme wokisme dans le Robert en ligne, sans résultat, dans le Larousse, aucun résultat non plus, et même dans le dictionnaire de l'Académie française, qui nous a renvoyé vers un mot soi-disant approchant qui s'appelle iodisme, à savoir une intoxication aiguë ou chronique due à une présence excessive d'iode et de ses dérivés dans l'organisme. Bref, rien à voir. Mais bref, on a quand même voulu avoir le point de vue de la directrice éditoriale du Robert. Elle s'appelle Marie-Hélène Drivaud, c'est une lexicographe pas vraiment étonnée par l'ampleur de la polémique. Dès qu'on touche au langage, tout le monde se sent concerné, et en plus, quand ça touche la guerre des genres, on pouvait s'attendre à des réactions, évidemment. Ça nourrit des tas de fantasmes. Là, on voit des gens qui redoutent que Yel remplace il et elle, mais non, calmez-vous, ça va rien remplacer du tout. Il et elle ne changent pas. Oui, mais comment vont faire nos enfants? On va leur apprendre ça en cours de conjugaison. Non, calmez-vous, là encore, il ne s'agit pas du tout de ça. Donc, on part aussitôt dans des fantasmes qui s'auto-alimentent et ça prend des proportions délirantes. Pourquoi vous avez pris cette décision ? Parce qu'on décrit d'usage, hein. On est un observatoire et pas un conservatoire, et donc on observe ce qui se passe, et on a constaté que ce pronom apparaissait, et il ne s'agit pas de le juger. Un mot qui apparaît, un mot nouveau qui apparaît, hein, un lexicographe qui se respecte, c'est ça, répond à un besoin. On peut juger ce besoin futile, ridicule, légitime, peu importe, il répond à un besoin. En français, c'est une langue quand même assez genrée, et il faut choisir son camp entre il et elle, et on peut imaginer qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de choisir. Ils ont pris cette solution, elle n'est peut-être pas idéale, elle pose un certain nombre de problèmes, elle en résout d'autres, on verra à l'épreuve du temps comment ils s'en sortent. Et cette polémique linguistique lui en rappelle d'autres. C'est vrai que le Robert a toujours été un petit peu à l'avant-garde. On a été les premiers à ajouter homophobie, à ajouter féminicide. La définition de mariage a été retouchée il y a plus de 25 ans, alors que le mariage entre personnes de même sexe n'était pas encore autorisé en France. Et on a ajouté transphobie, on a ajouté lesbophobie, grossophobie, bon, qui n'est pas formidablement bien formée, mais enfin, il existe. On a ajouté validisme il n'y a pas longtemps. C'est vrai que toutes ces discriminations portent un nom maintenant. Pendant longtemps, elles ont été passées sous silence, les gens souffraient, et maintenant, on les nomme déjà, c'est un progrès de les nommer, ça permet de mettre un nom sur des situations bien réelles. Il n'y a qu'en France qu'on peut avoir des polémiques nationales comme ça sur l'introduction d'un mot dans un dictionnaire qui plus est en ligne ? Oui, je pense qu'en Belgique ou au Canada, ça ne poserait aucun problème. Et c'est curieux. En France, oui, tout le monde se sent menacé. Ça me rappelle un peu la polémique sur le mariage pour tous, en fait. Des gens qui n'étaient absolument pas concernés, qui ne seront jamais concernés et qui s'embrasaient complètement. Et face à ceux qui fantasment une langue française éternelle, Marie-Hélène Drivaud rappelle qu'elle évolue sans cesse. Le français ne vient pas du gaulois, je suis désolée de briser vos fantasmes là aussi. Mais le français est une langue métissée depuis toujours, ne leur en déplaise. Alors c'est un peu une évidence ce que dit Marie-Hélène Drivaud quand elle dit que le français est métissé depuis toujours. Et pourtant, Jean-Michel Blanquer, comme d'autres, s'en font les gardiens intransigeants. On écoute le ministre. On ne doit pas triturer la langue française, quelles que soient les causes. Hein, les causes sont bonnes. Par exemple, le féminisme est une grande cause, mais c'est pas une cause qui justifie de triturer la langue française. Éliane Viennot, on ne doit pas triturer la langue française, même pour une grande cause ? Je suis sidérée, quoi, parce que c'est le ministre de l'Éducation nationale. Cet homme n'a aucune connaissance, n'a aucune culture, n'a aucune que des néologismes naissent. Voilà, il y en a 30 par an, je crois, qui arrivent dans les dictionnaires, qui font leur travail. Je ne parle pas du dictionnaire de l'Académie. Donc c'est absolument normal et on ne triture rien quand on crée un mot. Et en plus, c'est même un mot qui ne change rien à la syntaxe. C'est un mot qui dit quelque chose et qui peut-être met en cause l'imaginaire et l'imaginaire linguistique. Autrefois, quand on parlait d'une personne, on utilisait un pronom féminin ou un pronom masculin. Là, à côté de ces deux mots, il y a un pronom qui n'est pas genré. Mais on a déjà des pronoms pas genrés dans la langue française. Quand on dit « nous »,
Quand on dit « on », quand on dit « vous », ils ne sont pas genrés. Donc voilà, ça, c'est, et on sait comment faire après. On sait que, par exemple, il va falloir, si on continue la phrase, il va falloir les accorder. C'est, on est arrivé « et » ou « et e » ou « ees » ou « es » en fonction. Donc c'est, voilà, c'est un nouveau mot qui dit quelque chose sur la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une partie, notamment une partie de la jeunesse qui n'a pas envie d'être assignée à son genre, mais ces gens-là sont comme tous les autres, obligés de parler, et quand ils parlent, ils utilisent du masculin et du féminin. Donc vraiment, il n'y a pas le feu au lac, quoi. Lucas Gréco, je voyais acquiescer. Oui, non, mais c'est triste de voir qu'un ministre puisse s'exprimer ainsi. Ce ne sont pas du tout des propos sérieux. Digne. Ça fait partie du travail de la langue de chaque jour, qu'elle soit utilisée, qu'elle puisse changer, qu'elle puisse évoluer au fil du temps. Et d'ailleurs, en tant qu'enseignant à l'université, je peux témoigner du fait que maintenant, beaucoup d'étudiantes et d'étudiants demande à ce qu'on puisse parler d'eux en utilisant le pronom non-genré « yel ». Il y a des mémoires de master, il y a des thèses de doctorat qui sont faites dans lesquelles on peut remarquer l'utilisation de ce pronom lorsqu'il s'agit, par exemple, de parler de communautés non-binaires. Donc, je ne comprends pas du tout la polémique, si ce n'est qu'un argument politique, puisque nous sommes en campagne électorale et que donc, évidemment, ce type d'argument sert à récolter un certain type de voix, voilà. Mais sinon, linguistiquement parlant, ça n'a vraiment aucun sens. Il y a une nouvelle grammaire qui va sortir prochainement, la grammaire parlée du français, éditée par Anna Beyer et Daniel Godard, et dans laquelle le pronom « yel » figure. Donc, encore une fois, lorsqu'on est linguiste, on n'est pas du tout les gardiens de la langue. Il faut tout simplement attester les usages et rendre compte de ce que les locutrices et les locuteurs font. Bien sûr. Et Eliane Viennot, vous avez récemment rappelé qu'une poignée seulement de circulaires ont été publiées par l'État français sur les rapports entre la langue et la question de l'égalité des sexes. Entre 86 et 2012, 4 ont été publiées. C'était plutôt progressiste et plutôt pour donner des nouveaux gages, en fait. Mais là où ça devient intéressant, c'est que lors de ce quinquennat précisément, les deux dernières le sont tout le contraire de ça. En 2017 et en 2021, c'est deux textes qui visaient à contenir les progrès du langage non sexiste en proscrivant le langage inclusif. Pourquoi il y a une telle, panique autour du langage inclusif, l'écriture inclusive plutôt. Oui. D'une part, ces deux dernières circulaires, donc elles ne viennent pas effectivement, elles ne sont effectivement pas le produit d'une demande de plus d'égalité, mais elles enregistrent quand même les progrès faits depuis les premières circulaires, puisqu'elles disent toutes qu'il faut absolument nommer les femmes avec des mots féminins. Donc ça, c'est bon. Et elles sont même un peu plus en avant, puisque elles sont elles-mêmes, c'est ça qui est le plus drôle, en quelque part en écriture inclusive. La dernière circulaire, elle est adressée aux recteurs et rectrices, aux directeurs et directrices. Et puis il dit qu'il faut parler des candidates et des candidats, enfin je veux dire, et puis qu'il ne faut pas donner la priorité à un genre. Donc c'est assez amusant. Alors après, il se retrouve en train de dire que l'écriture inclusive ne doit pas être utilisée, mais c'est quoi l'écriture inclusive pour eux? On dirait que, moi je sais pas, je me demande, est-ce que ces gens-là sont pas informés, ou est-ce que vraiment ils font juste de la politique, quoi? Parce que s'ils sont contre le point médian, d'abord il faut le dire clairement, la Secrétaire Philippe n'en parlait toujours pas, la dernière en parle, mais elle dit notamment le point médian. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut conserver ses parenthèses? Il faut continuer à dire les Français, entre parenthèses, eux? Comme c'est le cas sur nos cartes d'identité, comme c'est le cas dans des milliers de formulaires français, la parenthèse, ça va pas. Ça ne va pas, ce n'est pas tolérable dans un État qui prône, soi-disant, l'égalité. Donc il faut trouver autre chose. Alors ensuite, si on ne veut pas faire d'abréviation, on n'en fait pas. On n'est jamais obligé de faire des abréviations. On peut toujours écrire monsieur en toutes lettres. On n'est pas obligé de mettre M. Bon, donc c'est complètement
technique, c'est rien du tout cette histoire. On a besoin de discuter du comment, effectivement, quels sont les meilleurs emplois possibles, par exemple du point médian, si on veut faire des abréviations, ça c'est une discussion qu'il faut avoir, mais le fait de dire on va interdire le langage égalitaire, enfin... ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je sais pas moi, nos ancêtres savaient faire. Montaigne n'arrête pas de faire des accords de proximité. Alors il faut bannir Montaigne parce qu'il y a des accords de proximité dans le texte. Enfin c'est tout ça. Enfin voilà. Est-ce que ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont mal conseillés? Est-ce qu'ils vraiment ils sont ailleurs dans une bulle? Ou bien est-ce que simplement ils sont malhonnêtes? Et effectivement, ils font leur campagne électorale pour plaire, parce qu'ils ont compris que c'était un sujet clivant et que la droite est contre. Voilà. Donc, les gens qui veulent se situer par rapport à ce débat-là, idéologique, ils disent des grands mots, wokisme, etc. Ils savent que ça marque. Après, il faudrait les avoir sous la main pour leur dire vous entendez, qu'est-ce que vous entendez par là? Et ils seraient certainement très gênés. Oui, c'est effectivement, Liane Vienneau tout à l'heure parlait de politique, je dirais que c'est une mauvaise politique, ça participe évidemment d'un projet politique auquel nous ne souscrivons pas, ça va de soi. Il faudrait rappeler que ça serait important, si on veut encore donner du sens à des mots tellement galvaudés comme égalité ou vivre ensemble, qu'il faudrait parler maintenant d'un droit à l'autodétermination linguistique. Qu'est-ce que c'est que le droit à l'autodétermination linguistique? C'est la possibilité de choisir là ou les formes linguistiques qui mieux correspondent aux nouvelles formes de vie que chacune et chacun de nous décide d'endosser au cours de nos quotidiens. Et que la langue n'a pas besoin de gardien ou de gardienne, la langue est tout à fait à tout le monde. La langue, en fait, il n'y a pas de propriété privée. La langue, c'est un bien collectif, c'est du commun. Et c'est ça la vraie question pour moi. Tout le reste, c'est effectivement c'est un projet politique évidemment très clair qui tombe en bon moment. Nous sommes en pleine campagne présidentielle, donc effectivement, c'est de ça dont il s'agit. Alors vous dites que la langue n'a pas de gardien, mais le député, en l'occurrence, quand il fait son tweet, il en appelle à l'Académie française. Oui. L'Académie française qui, je le rappelle, a attendu quand même le 28 février 2019 pour accepter la féminisation des noms de métiers et qui parle à propos de l'écriture inclusive, de péril mortel. Donc, c'est quoi alors l'Académie française? C'est des gardiens ou c'est pas des gardiens? Ah, ce sont surtout des incompétents. Enfin, jusqu'au dernier, deux derniers, depuis 3-4 ans, ils ont intégré deux personnes qui sont linguistes, mais ça faisait plus de 100 ans qu'il n'y avait pas de linguistes, pas d'agrégé de grammaire, pas de... Voilà, donc ce sont essentiellement des gens qui font dans l'idéologie. Et voilà, leur discours a été décrypté, je fais partie de gens qui l'ont décrypté. Voilà, il n'y a aucune compétence linguistique. Voilà. Donc, est-ce que Jolivet est au courant que l'Académie ne répondra pas? Puisque, voilà, je ne sais pas, c'est fréquent ça, quoi. Depuis 40 ans, quand il y a panique à bord, on va dire, du côté de la droite, on va chercher l'Académie pour qu'elle dise quelque chose. Mais bon, parfois elle va dans le sens ce qu'on lui demande, hein. En 84, elle est allée dans le sens de ce qu'on lui demandait, etc. Pour le mariage, elle a dit non. Mm-hmm. Bon, on est allé la voir pour le savoir, mm-hmm. si le mariage, ça voulait dire même sexe ou deux sexes différents. Et là, ils ont renoncé à... Enfin, ils n'ont pas voulu répondre. Hein. Bon, donc, les politiques, à ce moment-là, ils vont tout seuls au combat. Et puis là, je ne sais pas, on va voir, ça risque d'être amusant. Alors, à tous les deux, vous avez signé en 2017 avec 312 autres membres du corps professoral l'appel intitulé « Nous n'enseignerons plus que le masculin l'emporte sur le féminin ». Déjà, dites-nous, je me tourne peut-être vers vous, Eliane Vienneau, d'où vient cette règle « le masculin l'emporte sur le féminin » ? Alors, c'est une règle qui a été, sur le fond, qui date du XVIIe siècle, qui date des années 40 du XVIIe siècle, hein, c'est-à-dire l'Académie vient juste de naître. On dit que lorsque les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. Ça, c'est la terminologie de l'époque. Et puis, cette terminologie a été changée quand on est passé à la Troisième République. Quand même, la noblesse, on laisse tomber. Donc, on a reformulé, on a refait une autre formule. Hein, le masculin l'emporte sur le féminin. Mais c'est la même idée. Alors, peut-être ça se comprend encore sous la Troisième République, puisque on n'est pas
On n'est toujours pas dans un État égalitaire du point de vue du sexe. Les femmes n'ont toujours pas la citoyenneté. Hein. Mais depuis 1944-45, on aurait dû dire on arrête d'enseigner cette règle, puisque cette règle, d'une part, n'a pas de raison d'être linguistiquement. Nos ancêtres, les Latins faisaient autrement, les Grecs faisaient autrement, nos ancêtres ont fait autrement pendant des siècles. Donc, on sait faire autrement qu'accorder au masculin qu'il emporte quand les deux genres se rencontrent. Donc, il n'y a pas de raison, on aurait dû l'abandonner et dire, voilà, son temps est fini à cette règle. Ça correspondait à un état de la société où il y avait de l'inégalité, mais maintenant, on travaille à l'égalité. Donc, on va réenseigner, je dis bien réenseigner. L'accord de proximité s'est enseigné jusque dans les années 30 du XXe siècle, par l'école. Simplement, on a arrêté de l'enseigner. Hein. Et les accords de majorité, les accords de sens, on sait faire, ça n'a jamais été interdit, simplement, ce n'est plus enseigné. Donc, il faudrait simplement recommencer à les enseigner pour accompagner, justement, ce mouvement qui est le nôtre de... Nous voulons, officiellement en tout cas, nous voulons aller vers plus d'égalité, nous voulons réaliser l'égalité. La langue doit y participer comme le droit, comme tout un tas d'ensembles de pratiques sociales. On peut aider au mouvement ou bien on peut freiner. Et du coup, vous utilisez l'accord de proximité dans... Moi, j'utilise les accords de proximité, j'utilise les accords de sens, ce qu'on appelait autrefois les syleps, faire un accord de sens, hein, voilà, c'est-à-dire que c'est pas Larousse disait, on lui a fait dire, en tout cas c'est écrit dans le Larousse des années 60, bon, accord en genre et en nombre, non pas selon la grammaire, mais selon le sens. Bon, ben voilà, c'est très... On sait faire. Racine fait ça. Tous nos grands auteurs et autrices, pour autant qu'on les lise, on savait faire autrement. Donc, c'est pas compliqué. On n'a rien à inventer, vous voyez. Et vous, Luca Greco, vous avez adapté aussi votre écriture? Oui, totalement. Je dois dire, non seulement je l'enseigne, j'enseigne aussi ces dispositions grammaticales, mais je suis favorablement surpris de voir comment les étudiantes et les étudiants prennent le soin d'utiliser elles-mêmes et eux-mêmes ces nouvelles formes et de faire grande preuve de créativité. Donc, on ne peut que saluer ce mouvement vers une sorte de libération de la langue d'un point de vue des normes du genre. En 2012, Luca Greco, vous avez publié avec Natacha Chetkuti un essai intitulé « La face cachée du genre, langage et pouvoir des normes ». Dans ce livre, vous disiez que le langage était en quelque sorte un angle mort des études de genre, alors que le langage, justement, c'est un outil de construction du genre, de reproduction des inégalités de sexe et de lutte contre la domination masculine. Est-ce que les choses ont bougé depuis 2012? Oui, on bougeait parce que à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'à plusieurs niveaux. Depuis, nous avons une revue qui s'appelle GLAAD, qui est une revue consacrée aux recherches sur le genre, le langage et les sexualités. En tant que linguiste, j'ai fait part du comité scientifique de l'Encyclopédie critique du genre et nous avons eu deux entrées strictement linguistiques comme voix et comme langage. Aujourd'hui, le domaine genre, langage et sexualité ou les recherches linguistiques sur le genre est largement accepté au sein des sciences du langage et de la sociolinguistique. Il y a de plus en plus de thèses de doctorat, de mémoires de master qui sont faits sur genre et langage. Donc je ne peux dire que du bien, que les choses ont avancé, même si je dois reconnaître que les sciences du langage par rapport aux autres sciences sociales restent... Il y a encore une partie de cette discipline qui reste encore un peu méfiante par rapport à ces études qui sont quelque part encore critiquées comme étant des études militantes, politiques, idéologiques, alors que nous avons bien vu que l'idéologie et la mauvaise politique sont justement d'un autre côté et non pas certainement d'une autre. Vous voulez réagir ? Oui, je voulais dire que il est clair que ça a énormément changé en quelques années.
Parce que nous avons enfin d'abord dépassé le stade où on avait un peu traîné sur la question de la dite féminisation des mots, qui est une mauvaise terminologie. On n'a pas besoin de féminiser les mots en France. On a besoin d'utiliser les mots féminins qui existent. Mais pendant 30 ans, on a patiné un peu sur ce sujet. Et depuis quelques années, on voit l'ensemble du corpus. On voit que ce n'est pas seulement une question de mots, de vocabulaire, mais c'est une question d'accord, c'est une question de pronoms, c'est une question de néologisme, c'est une question d'arrêter de parler des droits de l'homme. Donc voilà, on a beaucoup bougé et on a obtenu quand même que l'Académie sorte le drapeau blanc, quoi. Enfin, ça fait 400 ans qu'elle luttait contre les noms féminins prestigieux. Bon, voilà, ils ont dit. Alors, ils ont fait un rapport de 15 pages qui sert à rien parce que 15 lignes auraient suffi. Grosso modo, faites ce que vous voulez. C'est ça que dit le rapport. Faites ce que vous voulez. Ils ne donnent aucun conseil, aucun propos qu'on pourrait attendre d'une institution qui se veut la gardienne de la langue, enfin, quelque part intéressée par la langue. Mais en tout cas, ils ont décidé de ne plus être sur notre chemin. Donc, ça, c'est extraordinaire parce que tous les gens qui se réclamaient de l'Académie pour pouvoir résister, ne peuvent plus le faire. Hein, Jean-Louis Aubert, la première fois qu'il a dit « Madame le Président à l'Assemblée nationale », il a dit « À l'Académie française, on dit que… » Et donc, moi, je suis les règles de l'Académie. Cette fois-ci, là, avec Barbara Pompili, il ne l'a pas dit, il ne peut plus le dire. Donc, il est tout seul. Je voudrais quand même revenir sur l'écriture inclusive avec vous deux. On entend souvent, dans la bouche du ministre par exemple, mais pas que celle-ci serait nuisible au bon apprentissage de la langue chez les enfants, enfin durant la formation. Est-ce qu'on sait si c'est vrai ou pas ça ? Mais c'est-à-dire qu'il résume l'écriture égalitaire au point médian. Alors sur ce point particulier, les études sont très peu, enfin il y a très très peu d'études sur est-ce que le fait qu'on mette un point au milieu de étudiant point ES, est-ce que ça ralentit la lecture, etc. Les études sont absolument balbutiantes. Et puis le problème, c'est combien de mots dans une page se présentent avec une abréviation. S'il y a un mot, moi j'écris des livres entiers avec un point médian toutes les quatre pages. C'est pas vrai que ce point médian qui arrive à la page 4 ou 8 ou 12 ralentit la lecture. Bien sûr, les gens qui ne connaissent pas les bonnes techniques peuvent en mettre beaucoup. Mais c'est simplement parce qu'on ne leur a, c'est pas de leur faute. On ne leur a pas enseigné, on les a pas formés. Dès qu'on forme les gens, ils savent faire un texte égalitaire, absolument égalitaire, soit avec peu de points médians, soit avec aucun point médian. Oui, d'où la nécessité de pouvoir enseigner effectivement ce nouvel règle dans les écoles et dans les universités partout, de pouvoir les diffuser puisque les personnes puissent écrire en exploitant toutes les ressources qui sont à leur disposition. Et cette histoire de la lisibilité, c'est un faux argument puisque aujourd'hui, moi, je vois de plus en plus de textes qui utilisent ce nouvel règle. Je vois même des livres qui sont écrits totalement en utilisant l'accord de proximité et ça ne pose aucun problème. J'ai fait des tests aussi avec les étudiantes et les étudiants et vraiment ça passe très bien. Donc c'est tout simplement une question de temps. Donnons le temps déjà à ce que ces nouvelles règles puissent être connues, puissent être diffusées et donnons-nous le temps aussi de pouvoir les enseigner. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Luca Greco, je rappelle que vous êtes professeur en sociolinguistique à l'Université de Lorraine. Eliane Viennot, vous êtes professeuse émérite de littérature de la Renaissance et vous avez publié en septembre « En finir avec l'homme, chronique d'une imposture ». Vous restez avec moi une minute, c'est le 24 heures de Mediapart. Si vous n'avez pas lu votre journal préféré pendant 24 heures, petite séance de rattrapage. Michel Deléant nous raconte la tentative de promotion express par Éric Dupond-Moretti du conseiller justice du Premier ministre au poste de procureur de Créteil. Alors qu'il est moins expérimenté que bien des candidats et surtout qu'il est chargé de suivre depuis Matignon les affaires dans lesquelles le garde des Sceaux a été obligé de se déporter pour cause de conflit d'intérêts. Alors que les Chiliens s'apprêtent à voter
pour leur président Mathieu Dejean pardon, et Fabien Escalona analyse la candidature de Gabriel Boric qui tente d'incarner un virage progressiste dans le pays. Enfin, Mathilde Gonnec revient sur Akira, cette candidate fictive et collective à la présidentielle 2022 qui tente d'allier un message anticapitaliste et des codes visuels très travaillés, une posture qui divise dans le monde militant. Vendredi, dans le studio, vous pourrez voir un numéro d'Écrire l'Histoire sur le lait de l'esclavage et les demandes de réparation. Samedi, le documentaire s'appelle « Choisir à 20 ans ». Ce sont des témoignages et des archives de jeunes déserteurs qui, entre 54 et 62, ont refusé d'aller faire la guerre d'Algérie. Dimanche, dans votre podcast « Esprit critique », il sera question des livres de Christine Angot, de J.M. Kodzi et de Mika Pierman. Al, c'est fini pour cette semaine. Lundi, vous retrouverez à cette même place Valentine. Merci à toute l'équipe technique, Alex Huez, Jimmy Beaufils, Julien Decoignac, Justine Mazoyer, Pierre Drio et Stéphane Prouveau. Bonne soirée, bon week-end.